Eh bien salut à toutes et à tous la M Company, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 25e épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry Primal, évidemment de retour dans ce monde. Et puis ça tombe super bien parce qu'on a commencé le let's play, il faisait beau et chaud. Et puis comme maintenant, on va pas se mentir, l'été commence à se terminer, ça commence à se faire ressentir, commence à faire un petit peu frisquette partout en France, bien évidemment, métropolitaine et sur le continent européen. Eh bien les amis, nous sommes donc dans le nord de la map, dans les glaciers bien sûr. Toujours un petit peu plus extrême par rapport à ce que nous vivons évidemment en France, heureusement d'ailleurs. Mais bon, ça se trouve au moment où la vidéo sortira, il fera beau et chaud, hein, c'est pas non plus improbable. Comment ça va les amis? Bah écoutez, moi ça va super bien, je vous remercie. Un petit câlin évidemment à notre petit tigrou, évidemment. Le petit tigrou, et je vais vous montrer où nous sommes sur la minimap. Enfin sur la minimap, sur la grande map, puisque comme convenu, nous sommes donc... Alors dans le dernier épisode, on était ici, hein, à l'avant-poste de la grotte Platue, on était dans cette zone-là. Et encore, je dis... des conneries puisqu'on était plutôt vers là. Bref, c'est pas grave. dans cet épisode, du coup, comme convenu, on va explorer cette zone. On va faire tous les lieux inconnus. On va éventuellement donc débloquer les feux de camp. Et puis récupérer, évidemment, très important, les objets de collection, à savoir les mains d'Aïcha, les bracelets Wenja, etc., etc. Donc on va commencer directement. On va faire un petit tour en passant par ici, le lieu inconnu. En ce qui concerne la chasse aux défenses rouges, en vrai... D'ailleurs, la chasse aux défenses rouges, vous remarquerez qu'il n'est pas dans les animaux apprivoisables. Hein. Et ça, je suis quand même un peu curieux. Hein, je suis quand même un peu curieux. Je me demande quand même qu'est-ce qui se passe quand on le chasse. Voyez-vous? Parce que si c'est juste de la chasse pour faire plaisir, ça peut être très très vite embêtant. Oh, faites pas genre que vous l'aviez pas vu. Sagouille, sagouille, fouillez, fouillez, bande de fous, fouillez. Bon bref les amis, aïe. Du coup on va un petit peu ouais j'ai envie de dire non pas speedrun hein, mais on va quand même, voilà, on est là pour explorer rapidement mais efficacement cette zone qu'on a pas trop explorée un petit peu. Ah, il y avait du poison, très bien. Voilà, l'idée vraiment c'est de débloquer un petit peu ça et temporiser, parce que les amis, nous sommes à 80% de la fin du jeu évidemment, puisque vous l'aurez compris, on n'a plus qu'un boss à affronter. Après je sais pas ce qui se passe pour être honnête, mais officiellement on n'a plus qu'un boss à affronter, ce qui signifierait que la fin du jeu est juste après. J'ai presque envie de dire que le jeu peut se terminer là à 85%. C'est à dire que on terminera jamais le jeu à 100% malgré toute l'exploration qu'on est en train de faire. On terminera jamais le jeu à 100%. Alors, parce que c'est bien beau de grimper là, mais si je peux pas envoyer de grappin, c'est complètement con. Voilà. Donc ça se peut, là, si on fait le dernier boss, le jeu est fini. Donc c'est pour ça, on en profite pour faire durer le plaisir. Et donc on explore, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Comment t'as fait pour grimper? Roche de bravoure! Bravo! Voilà, c'était juste ça. Ça c'est fait. Et ben mine de rien, ça fait monter la progression du jeu. Voilà, on est peut-être à 80,10%. Paf! Voilà, c'est pas grave, j'étais bien deuxième coup parce que le premier n'est pas passé. Alors, est-ce qu'on essaye quand même la chasse de mettre des bêtes? Parce que d'un côté, ça m'excite. Alors attendez, parce que ce qui m'excite davantage, c'est de fumer la gueule à eux là. Voilà, tac, tac, et hop, le petit couteau dans le crâne. Voilà, ça dégage en fait la racaille. Tout simplement, on n'en veut pas. Évidemment, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire qui fait plaisir. Merci à vous les amis, merci à ceux qui ont rattrapé les épisodes. Qui ont, voilà, qui ont même d'ailleurs speedrun les épisodes, hein, de la même façon que je speedrun le jeu carrément. Mais voilà, on prend évidemment énormément de plaisir. Couteau Kapala. Et le couteau Kapala. Très bien. Ouais, bon, la chasse, écoutez, on s'en fout. Purée de pommes de terre. On va aller au lieu inconnu suivant, un petit peu plus bas. Voilà, tu m'as fait peur, petite biquette. Oh, ça réchauffe le soleil. Ça réchauffe, ça met du baume au cœur. Du baume à lèvres. Alors, est-ce qu'on peut descendre par là? Ah, parce que je me suis fait chier à grimper. Tout ça pour finalement redescendre. Est-ce que vous foutez pas un peu de ma gueule? Et je peux pas récupérer le grappin là? Je peux pas envoyer mon grappin là? Vous foutez pas un peu de ma gueule? Ah, quand même. C'est superbe. Et voilà. Et ça vous fait quoi d'arriver à la fin du let's play, les amis? Dites-moi en commentaire. Là, ça me... je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes attaché à ce let's play ou pas? Parce que il y a des let's play sur ma chaîne où moi, comme vous, on s'est attaché pour diverses raisons, pardon. Et peut-être d'autres non. Et du coup, est-ce que celui-ci, il vous attache ou pas? Une vraie question que je me pose. Alors on a le camp de la chatte, juste ici, c'est impeccable.
C'est super. Ah! Mais c'est pas possible! C'est pas possible! On continue! On continue. Alors attention à ne pas louper les trésors. Donc on a une main d'Aïcha ici. D'accord? On a une main d'Aïcha ici. Et le bracelet qui suivra, plus un lieu inconnu. Impeccable. Allons-y gaiement. Allons-y fièrement. Prenons par derrière les gens. Je suis un poète, ne l'oubliez pas. Poète, poète! Bam! Terminé, bonsoir. Allez, ciao! Ça régale. Ah, oh, je suis très excité, les amis. Ah, je suis très excité, vous le savez, c'est vous qui m'excitez finalement. C'est un vrai bonheur. Alors, il y a des macaques dans la neige. Non, c'est pas des macaques, c'est des... Oh, merde. Bon, c'est un peu malaisant ce qui se passe. Il faut mourir. Il faut mourir. Non, mais c'est pas possible. Je me suis trompé d'arme, il est vrai. Normalement, il faut utiliser le sagaie. Que il me faut de la peau de bête. Que je peux plus faire des sagaies. Oh putain, je vais vous faire un spectacle. Oh, je vais vous faire un spectacle. Yala! Paf! Oh, le spectacle! Oh, le pestacle que je viens de vous faire, les amis. Est-ce que vous avez kiffé? Abonnez-vous, évidemment, ça fait toujours zizir. Alors. Attends. Parce qu'il y a un trésor. Trésor de Kelops. Ah, Cèdre du Nord, je ne peux pas en avoir davantage. C'est bien dommage. Bon, bref, c'est pas grave. Pourquoi ça crie? Oh! Paf! Aïe! Voilà. Alors, c'est marrant, c'est moins résistant cette merde. Très, très mignonne d'ailleurs, hein, ça dit. Hein. Que ces putains de blaireaux de merde là. Pardon, je suis très vulgaire. Ah oui, je suis vulgaire. Qu'est-ce qu'il veut lui là? Tu sers à rien? Ah! Ah! Staying alive! Staying alive! Ouais, c'est à peu près ça. Et c'est comme ça qu'est née la chanson, il faut le savoir. Hein. Il faut le savoir. Allez, on va grimper par là, j'imagine. C'est un échec, évidemment. Ah, des fois, j'ai plus de force. Il fait froid, hein, je suis un peu fébrile. Hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Ah, merde. Attendez, il faut que j'envoie la suivante. Ah! C'est bon, ça le fait, ça passe. Oh, je vais me faire cramer la gueule. Et c'est bon, ils me voient plus. Je suis tellement haut, je suis tellement high qu'ils me voient plus. Bande de nullos. Hop, main d'Aïcha. Merci, bonsoir. Eh ben, si avec ça, on se régale pas. On récupère évidemment le caillou noir du nord. Nous sommes à 79% de la quête des mains d'Aïcha. Nous avons un lien inconnu là-bas. Un bracelet également, Wenja. Sur le chemin, bien évidemment. Bien sûr. Que nous allons trouver assez aisément, finalement. Je l'espère, parce que ça peut vite m'énerver. Aïe! Oh, petit oiseau! Alors, ça se passe comment? Bah, ça se passe certainement au-dessus, hein. Je vais être honnête avec vous, c'est une région où on fait beaucoup de griffes, une région où on fait beaucoup de grappins, finalement une région où on escalade pas mal. Voilà, donc à mon avis c'est en haut. Hein. Cherchez pas plus loin. Cherchez pas plus loin que ici. Voilà, tout simplement. Hein. Oh, ça régale, hein, c'est un bonheur. C'est un bonheur partagé, 8 sur 25. Alors attends, qui c'est qui me voit là? Parce que moi je le vois pas. Hein. Ah là! Ah mince, c'est pas top ça. Bouche de galet. Bah tu vas voir ce que je vais vous mettre dans la bouche. Ça va pas être un galet, hein, ça je vous le dis. Hein. Parce que là mon pote, hein, je vais vous... Ouh, je vais me faire cramer. Aïe, aïe. Ok. Oula. Pas très accueillant, hein, la bouche de galet. Hein. Allez, ouvrez la grande, j'arrive. Je vais vous en mettre une bonne, bien comme il faut, bien placée. À la bonne again. Hop. Voilà, et c'est exactement ce que je souhaitais qu'il t'arrive. Hop, regarde, discret, il m'a pas vu. Hop, hop, je le nargue un peu. Et... Voilà. Qu'est-ce que c'est que c'est que du bruit? Hop là. Paf. Ça dégage. Excusez-moi. Ensuite et continuons bien sûr. Un lieu inconnu par là. Voilà. Un plaisir. Allez, hein, c'est le retour des martres. Enfin des blaireaux. Enfin bref. Hop. On va laisser se débrouiller mon dent de sabre. Oh là 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 là. Mais regardez, je suis Spider-Man, hein. Je suis en train de tisser ma toile. C'est plutôt génial. Hop là. Un dernier effort. Et je viens de créer une liaison qui n'existe pas. Un dernier effort n'existe pas puisque c'est un dernier effort, évidemment. Alors je vais aller dans l'eau. Est-ce une bonne idée dans cette région? Je ne sais pas, mais ça fait toujours du bien. Voilà, j'ai vu sur TikTok des gens qui se baignent dans des bains glacés. Donc finalement, pourquoi pas. Dernier refuge du Djaerjri. Allez, on va lui rendre hommage. On va allumer un petit feu, évidemment. On l'embrasse, Djaerjri. Djaerjri, il fait des Djaerjri. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Et ça va où là? Je suis très curieux, hein. Je suis très curieux. Et en même temps, je suis très déçu. Voilà. Eh ben, c'est superbe.
Bien, alors on a un trésor là-haut, on s'en fout. On se fait un petit bain glacé, ça fait du bien. Ah là là, ça me donne juste envie de boire un iced tea bien frais. Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu t'es pris pour... Non mais c'est incroyable, hein, il est complètement débile. Hein. Alors du coup, parce que là je vais foirer mon prochain lieu inconnu là, hein, avec mes conneries. Eh oui, ah là 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 là, ça glisse en plus, il y a de la neige. Alors on va tenter un truc, hop là. Oui, oui, oui. Non, bon bah tant pis. Eh ben c'est pas grave. T'es en train de... Qu'est-ce qu'il veut lui? Hop! Aïe! Voilà, allez. Il faut que je remonte. C'est pas grave. En plus je crois qu'il y a un totem. J'ai l'impression de voir sur la carte le totem. Falaise du Tashtan. Et en effet, juste ici je place un esprit totem, le 8ème sur 12. Plutôt pas mal hein, me diriez-vous, je sais. Bracelet Wenja, lieu inconnu, on enchaîne à 100 pas. Ah ! Eh les gars, je suis un boss ou quoi? Je suis un boss. Hein. Allez, hop. On esquive les embrouilles. Pas le temps pour vos conneries. Hop, on escalade et on esquive les problèmes. On esquive. Oh là, petit ourson, il est mignon, Winnie. Il va se détendre. Hein. Voilà. On esquive les condés. Oula. Alors attendez, parce que là, à mon avis, le bracelet doit être là. Ils ont copié-collé, à mon avis, le pattern. Je connais Ubisoft pour ça. Pas du tout. Il est là. Voilà, tout simplement. Bien vu. Bien vu, les petites chèvres, elles sont bloquées, les pauvres là-haut, là. Elles peuvent pas faire grand-chose. Et puis, on va pouvoir continuer par ici. Lieu inconnu. Abri du Nassan. D'accord. Certainement en dessous. Ah oui, bon, on va quand même aller voir. On va visiter les lieux. Hein. C'est toujours mignon. Alors là, regardez. Petite technique. Voilà. Faut s'accrocher, en fait, avec les pierres. Hein, c'est comme dans la vraie vie. Hein. Alors, tu t'agrippes un petit peu les mains. Ça fait mal. Tu peux même saigner. Mais voilà. Au moins, tu ne meurs pas. Hein, petite astuce de randonneur. Hein. Et salut à tous. C'est Fox. On se retrouve aujourd'hui ici même. Et on va simplement continuer. Lieu inconnu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Putain, c'est à l'opposé de là où on est, mais c'est pas possible. Hein. C'est quoi cette partie de la map qui est bizarre là? Racine de plante rare. Attends, il me faut de la peau de bête. Hop, dans ta gueule. Hop, voilà. C'est pas top. Ah, c'est de la peau de sanglier. Peau de bête, voilà, comme ça je peux me refaire des saguets. Très important. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà. Hop. Oh, l'esquive. Paf. Ah, lui aussi il a esquivé, le bâtard. Voilà. Et vous avez vu l'esquive que je viens de lui faire quand même? Magnifique, hein, me diriez-vous. Et alors, vous faites bien de me le dire, les sagas, c'est plus mortel évidemment avec la frappe, la force, de la puissance. Évidemment. Mais je trouve ça quand même impressionnant, quoi. Hop, je te détache. Et on va par ici. Pour voir ce fameux lieu inconnu. Non mais hey, ils sont... Wesh. Pardon. On me respecte quand même. Hey, je suis pas venu ici pour se faire, ok. Il a l'air un peu seul lui, hein. Je suis détraqué, mais t'es un malade mental toi. Hop. Voilà. Je vais devenir fou avec ce jeu, hein. Je vous le dis, je vais devenir fou. Hein. Cimetière de Mamaf. Ah, Mamaf a dit. Bien sûr. Mamaf m'a dit. Vous avez la ref? Mamaf m'a dit. Tu m'aimes pas assez? On dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fait. Alors, par ici. Prochainement d'Aïcha, évidemment, c'était petits biscuits avec François et Oli. Big Flo et Oli, pardon. Excusez-moi, je suis trompé. Impeccable, superbe chanson. Évidemment, très très belle musique. Hop dans le cul. Non mais j'ai besoin de peau de bête, c'est pour ça, c'est pas de la violence gratuite. Oh non. Oh non, c'est horrible ce qui vient de se passer, il est en train de se débattre. Il est en train de souffrir en fait, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la torture animalière là, hein, mais moi ça ne me plaît pas du tout. Et je vais même porter plainte contre Ubisoft parce qu'ils mettent en avant la torture animale. Ils veulent quoi eux là? Paf. Paf. Oh, dommage. Tu vas où? Tu vas où là? Il est fou lui. Donne-moi ma saguette, toi. Ah, il y en avait une là.
Oh non, elle est cassée. Oh non, ma saga, elle est cassée. Oh non. C'est tellement dommage. Ensuite, attendez, parce qu'en haut, il y avait des trucs. Oh non. Ah oui. Non, mais tout va bien. Ah bah on a découvert des nouveaux trucs. Oui d'accord. Ah oui, il y a un avant-poste encore là-haut. Mais c'est le dernier avant-poste MDR je crois. C'est fou. Attends, confection. Oh, gourdin à deux mains. Dégâts 9, durabilité 8, agilité 4. Bam. Alors là on a le gourdin à deux mains quoi. J'ai envie de te dire on se retrouve demain quoi. Oh c'est fou. Bon là ça envoie de la patate hein. Mais je vais garder ma sagaie. Il va où lui là? Tu fais quoi là? Tu dégages? Voilà. Faites pas chier, merde. Ah. Mince, pardon. Du coup, moi, ce que je voulais, c'était monter là-haut, là, pour... ouais, on va faire quand même dans l'ordre. Donc, tout ça, c'est fait. C'est fait, oh. Donc, on va monter par là, hein. Bon, bah, demi-tour. Viens, Mama Fanny, là. Eh. Voilà. Ouala. Ouala. Voilà. Hop, je te monte. Hein. Oh oui, j'aime quand tu te dandines comme ça, là. Allez, c'est parti. On est y part. Allez, c'est les petites chèvres de Monsieur Seguin là, ça régale. Je sais pas si vous connaissez, non, à cette époque vous connaissez pas encore la préhistoire. C'est une superbe histoire, hein. La chèvre de Monsieur Seguin. Alors je vous recommande x 1000 d'acheter le roman évidemment. Mais non, c'est une fable évidemment. Allez, ça, et ça va quand même bien plus vite comme ça. Hein. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Et ça dégage. Hop, voilà dans les fesses. Totem des anciens. D'accord. Ça a l'air d'être sympa à visiter. Ok, impossible de casser. C'est une blague. Oh. Ok, je passe par au-dessus. Rien à foutre. Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, que dalle. MDR. Y'a que dalle. Ils ont fait... Non mais... Eh, je pense que le jeu a été quand même bâclé à l'époque. Malheureusement, il y a des trucs qui ont été laissés. Je pense, en mode... Oh, vas-y, on s'en fout, on sort le jeu comme ça. Je pense. Je pense donc je suis, finalement. C'est ça qu'il faut savoir. Allez. Allô. Merci. On continue de monter. Et on va se régaler, tout simplement, évidemment. C'est cool, on va pouvoir se faire un avant-poste encore. Et salut à tous. Paf. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Ah. Oh merde! C'était un allié! Je me disais, mince! Eh ben tant pis, c'est trop tard, le mal est fait. Le mal est fait. Attends, y'a une grotte là-haut. Oh, y'a une grotte là-haut! Mais non, mais non, mais non! Bah c'est la grotte justement. Ah d'accord. Putain, oh, je suis à la ramasse. Et en fait, elle est grande cette zone. J'ai tué quelqu'un sans faire exprès, mais c'est pas ce que tu crois. Ok, c'est top ça. Mais mince, je me trompe de touche à chaque fois. Je suis vraiment désolé hein. Allez, qu'avons-nous là? Oh là là. Bah là c'est la merde. Allez, salut. Ah non, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une animation de glissade infinie et tout ça quoi. Grotte glaciale. Bah tiens, ça porte vachement bien son nom. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense qu'en vrai de vrai, en vrai de vrai de vrai de vrai, ils ont bien trouvé le nom. Ah, la musique dans la peau. Je suis bloqué. J'arrive pas à me balancer. Allô? Je peux pas me balancer. Eh ben je vais me jeter tout simplement. Aïe. Voilà. Ensuite. Et salut à tous. Ah bah. Attendez. Non, là on peut grimper. Donc ce sera pour sortir. Hop, on prend de la viande, c'est bon ça. Hop, on allume. C'est bon ça. Voilà. Ensuite, petite glissade évidemment, hein, c'est un petit côté professionnel. On fait bien les choses par ici. On va grimper ici. Un petit effort encore. Voilà, on va faire un petit jump ici. On va prendre le grappin ici. On va se balancer là-bas. Voilà, je sais pas ce que je fais. Hein. Je speedrun, j'essaie de trouver des accès, n'est-ce pas là? Si tu colles ce tabarnacle, on essaye de trouver des solutions. Hop, voilà, c'est complètement raciste hein, tout ce qui se passe dans cet épisode. C'est formidable, j'en suis absolument navré. C'est vraiment pas bien d'être raciste. J'ai essayé l'accent belge. My bad. Bon. Elle est gigantesque cette grotte. Je suis perdu mais moi je m'en fous. Je veux juste récupérer d'une première part mon pognon. Je fais comment là? C'est une blague? Saloperie. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah la coquine, il y a un grappin là-haut.
que je ne peux pas atteindre. En effet, puisqu'il faut peut-être... Non, je ne peux pas. C'est incroyable, je fais comment? Eh bien, je vais aller me faire foutre. Mais attendez, c'est de là que je viens, merde, non? C'est pas de là que je viens? Oh, je suis tellement paumé, les gars. Mais... Attendez, mais c'est de là que je viens, bordel. Non, mais vous rigolez ou quoi, là? Pas du tout. Attendez, je... What? The... Fuck. Bon, la suite est ici. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi je comprends pas? Je comprends pas. Mais c'est pas grave. Peau d'ours brun. Ouais, d'accord. Ouais. Comment je monte la saloperie? Là, je veux bien. Ah, peut-être. C'est bon, j'ai capté. C'est bon, les amis. C'est bon. J'ai la soluce. J'ai la soluce. C'est pas facile, hein. Ah, mais attendez, mais non. Mais non, mais je suis trop con. Mais voilà, mais je suis juste trop con. Oh, mais mon dieu, c'était pas ça que je pensais, mais c'est parfait. Hop, voilà. Et hop, la peinture rupestre. Ça, c'est fait, bien sûr. Aïe. La suite, bien sûr, c'est par là. Il reste plus que deux peintures rupestres, évidemment, les amis, à découvrir. Là, moi, je pense qu'il faut que j'aille en face. Mais en même temps, je pense qu'il faut que je descende. Il n'y a pas de grappin, hein. Si je descends, je suis mort, non? Allez. Non, c'est bon, je suis pas mort. Allez. Ouh, par contre, là, si je saute... Ah non, c'est que de la flotte, ça va. Hop, voilà, on se dandine. Et hop! Magnifique! Taille Chris! Je saute de la tour Eiffel. Magnifique. Et là, je suis ce chemin. Toi, sur ton chemin! Oh, je suis inarrêtable, hein. J'ai des forces, vous avez vu. Oh là, la main d'Aishai là. C'est incroyable. Et messieurs, dames, c'est officiellement la 80e grotte terminée. Oh putain, oh mais c'est génial, on est rentré par là. Enfin, je crois. Non, même pas, on n'est pas rentré par là. Mais très stylé et il fait un petit peu froid. Voilà, 81e main d'Aishai. Alors là, où c'est qu'on est? Tu me poses une colle. Ah ouais, mais moi je vais aller à l'opposé là. C'est pas terrible là ce que tu me fais faire là. C'est pas terrible ce que tu me fais faire. Tu me fais faire un petit détour là. Mais c'est pas grave. Nous on n'a pas peur des détours. Un petit plongeon, ça régale. Paf, à la fraîche. Et là, l'eau est pure. L'eau est tellement pure, tellement transparente. Là, il n'y a pas de pollution là. Il n'y a pas de voiture, essence, tout ça, gasoil. Ah! Mais c'est toi qui m'as fait peur, espèce de saloperie, va. Qu'est-ce qu'il crie, lui? Qu'est-ce qu'il crie? C'est magnifique. Oh, reviens là, toi. Reviens. Eh, hey, oh! Je te parle. C'est magnifique. On dirait... On dirait les bordures de la terre plate. Énorme. Énorme. Non, mais en tout cas, voilà, ça régale. Allez, on va récupérer les dernières... Les dernières ressources là-haut, là. Derniers objets de collection. Donc on est déjà monté par là, il me semble, pour arriver à la grotte, non? Non, même pas. Pas du tout, je suis perdu, hein. C'est formidable. Mais par contre, il y a des méchants partout, hein. Complètement dingue. Ah non, c'est des potes, ça. Je me disais bien qu'ils me snobaient un peu. Non, c'est des potes, c'est bon, tout va bien. Waouh. On est vraiment sur les limites de la terre, quoi. Creux affamé. Ok. Bonjour. Mais c'était pas là que je voulais aller. Ah putain, c'était là que je voulais aller. C'est pas possible. Ensuite, il n'y a plus d'objets de collection ici. Hein, on est d'accord. Ok. Donc il en restera plus. Bah, il restera plus qu'une main d'Aisha. Et l'avant-poste de la corne du naissant. Bien sûr. On va s'en occuper juste après. Bien évidemment. Et on aura clean absolument toute la zone. Et ça, c'est top. Qu'est-ce qui leur arrive? Ouais. Aïe. Ah, je pensais que ça passait. Oh non. Oh non. Oh non, 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 au secours. Ah. Non. Je veux pas mourir. Voilà. Merci, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hop, ça dégage. Je t'ai focus. Voilà. Et toi, tu veux quoi? Eh, fais pas le malin. Fais pas le malin. Fais pas le malin. Fais pas le malin. Ouais, barre-toi, ouais, c'est ça, ouais.
que je te revoie plus, ça le racaille. Ok. Du coup maintenant messieurs dames, on va ici. Voilà. Et c'est parti. Oh je t'ai. Oh, je t'ai pas respecté toi. Alors là mec je t'ai hit marqué dans tous les sens hein. Ah, il a l'air d'avoir peur. Mais faut pas avoir peur mon copain. Tout va bien. Je suis là. Il ne peut rien t'arriver. Allez, on traverse tout ça. Donc au final, hein, comme je vais dire, la map est vraiment. Elle est pas grande, mais elle est pas petite non plus. Elle est vraiment bien. Au final. Au final, elle est vraiment comme il faut. Parce que mine de rien, ça fait du chemin tout ça. Hein. Cette petite partie de map qui au premier abord est petite, forcément, mais elle est quand même vachement grande. Alors elle est un peu vide, je trouve. Enfin, je sais pas comment dire, elle a pas trop d'intérêt cette zone d'ailleurs, en fait. Tout compte fait. Mais elle est grande quand même. Je veux dire, faut le faire pour aller d'un point à l'autre. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il court avec moi lui? Il a cru qu'on était potes ou quoi? Oh, 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 je veux pas de ton amitié. Hein. Gratte pas d'amitié, pas de nouveaux amis. On enverra Mougli chercher bétail. Je redoute plus la visite de la ficaille. Hop! C'est cadeau! C'est Bibi qui régale. Voilà, bah alors ça, messieurs, dames, c'est un gangbang comme on les aime. Tout le monde était consentant, évidemment. Alors là, à ce niveau-là, je pense que tout le monde a dit oui. Il faut grimper, j'imagine. Par là, parce que j'ai vu un aigle. Ouais, hop là. Paf! La pierre dans la gueule. Là, normalement, on est mort. Mais comme ce jeu est super bien fait, eh ben on ne meurt pas. Heureusement. Parce que sinon, on pourrait pas faire grand-chose sur ce jeu, me diriez-vous. Alors. Elle est là, elle est perdue, elle est tranquille, pépouze. On sait pas pourquoi elle est là, mais elle est là. La main d'Aïcha. Et on va pouvoir enfin se faire cet avant-poste de la corne du Nassan. Je vous le redirai autant de fois qu'il le faut. Et notamment dans 350 pas, je vous le redirai à nouveau, évidemment. J'ai pas fait attention si c'était très difficile ou pas. Niveau difficulté, j'en ai aucune idée. Ça ne m'intéresse même pas. Je veux dire, on est tellement fort maintenant, on s'en bat les steaks en fait. Juste on déglingue tout quoi. J'ai déjà ça comme animal ou pas hein? Loup blanc, ouais je pense que c'est un loup blanc ça. Non je suis pas sûr. Attends je vais renvoyer ma bête. On va essayer de l'apprivoiser genre. Tout doux. Mange. Miam miam. Miam miam. Parce que je sais pas si je l'ai déjà. Lion des cavernes apprivoisé. Let's go. Et bah on a une nouvelle bête. Ah c'est top. Ça va ma louloute. Oh mais pourquoi tu fais cette tête ma louloute? Avec les beaux yeux bleus comme moi. Mesdames si vous voulez me pécho sachez que j'ai les yeux bleus. C'est par ici bien sûr. Oh il est terrible ce gars. C'est pas possible. Je parle évidemment de moi. Oh il y a de la fumée. On entend du tam tam. Il y a une bonne musique également par là. Ils sont quand même pas discrets ces cons hein. Oh ça va être un avant-poste très 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 difficile. Oh. Les accès sont nazes. Oh. Les accès sont nazes, mais on a une supériorité de dénivelé, si je puis dire. Avant-poste de la corde du Nassan. J'ai dit que je voulais redire rien. Alors, toi je t'ai vu. 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 Toi je t'avais pas vu. Toi je t'avais pas vu. Ah. Et je pense qu'on va bien rigoler. On va envoyer le hibou. Hibou, hibou. Il y a personne sur les hauteurs, ça c'est déjà pas mal. Oh là, il y a plus de monde que prévu. Ok. On a une alarme au milieu. Là. Oh, bonjour. Non, il y a rien. Oh, il y a quelque chose là-bas au bout là. Et regardez, il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose. Il faudra qu'on aille voir, il y a quelque chose qui brille. Ah, salut. Bah, il y a juste... Ah non, il y a deux mastodontes quand même. Il y a deux alarmes et un guet. C'est pas énorme en vrai. Je sais pas s'il va réussir à attaquer ou pas. Bon, là, ils sont déjà en alerte. Et il descend, c'est bon, il y va. On va le sacrifier, le pauvre, hein, évidemment. C'est absolument terrible. Alors on va voir comment il va se débrouiller. Ok, manifestement c'est pas si mal.
Évidemment, on a mieux dans notre Pokédex. Oh, deux. Un petit ratio, un petit troisième. Ah bah, si tu te retrouves bloqué, t'as l'air un peu con quand même. Oh, faut pas qu'il me voie par contre. Hein. Très important, évidemment, à cause des alarmes. Et il est mort. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, maintenant, on va appeler le grand ours balafré. Tiens, c'est le moment de montrer ce qu'il vaut. C'est le moment de montrer ce qu'il vaut. Alors, je sais pas où il est. Allô? C'est quand tu veux, hein. C'est quand tu veux, hein. Oh, il me laisse dans la merde, il veut pas venir. Ah, ça y est, le v'là. Ah, il est bloqué dans la pierre. Génial. C'est bon. Attaque lui, là. Voilà. Maintenant, je veux voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Parce que je crois qu'on n'a pas fait de test encore avec lui. Parce qu'il est bourrin, il est lent. Mais peut-être qu'il fait vachement mal, quoi. On va voir. Est-ce qu'il résiste ou pas? C'est un one shot, hein. Ouais, mes frères, te laisse pas faire. Allez, le masto. Dégomme le masto. Voilà. Ok, il est en train de mettre cher au masto, j'ai l'impression. Ah oui. Fais le masto, mec. Oh là, il me clean tous les mastos. Ah ouais, non, l'ours balafré, on a bien fait de le chasser, même si on n'avait pas le choix. Même si on n'avait pas le choix, on a bien fait de chasser. J'ai envoyé une sagaie, j'ai pas fait exprès. Et il est mort, il n'y a plus de mastodonte. Allez, hein. Ça régale. Hein. Bah, tant qu'on y est, mon gars. Oh, et l'autre, il est libéré là-bas. Attaque! Il est à côté de toi. Mais il est trop con. Pourquoi il prend la fuite? Pourquoi il prend la fuite? Je ne sais pas. Hop. Ça, c'est malaisant, ça. Et ils vont sonner l'alarme. Et ils vont sonner l'alarme si ça continue comme ça. Attaque, s'il te plaît. Je suis bien, moi, là, en haut, là. Oh là là, ils ont failli me voir. Oh là là, ça, c'est terrible. Bon, ils ont pas sonné l'alarme. Ok. Mise à mort. Mi amore, c'est une mise à mort. Por favore, por favore, por favore. Bon, vas-y, je vais descendre parce que là, sinon... Oh non. Wow, j'ai eu chaud. Oh, j'ai eu chaud. What? On en parle de ça, là? Attaque. Mais il passe à travers les roches ou quoi? Bon, j'aurais rien fait. C'est le grand ours balafré qui aura tout fait. Voilà. Voilà, c'est un bonheur, j'ai rien fait. Mais c'est cool en vrai de rien faire. On va finir le jeu comme ça de toute façon, à mon avis. Ah, c'est un vrai bonheur. Bon bah voilà. Et c'était le dernier avant-poste, messieurs dames, à réaliser. Donc les avant-postes, c'est fini. Merci, bonsoir. Alors toi, reviens. Reviens. Voilà, tu touches pas à mes collègues quand même, espèce de fou, va. Bon, bah ça c'est une très bonne chose de faite, les enfants. Il y a un petit trésor a priori ici. La peau de loup, oh là, c'est superbe. C'est superbe. J'ai plein de points de compétences, a priori 3, c'est pas énorme. Donc 6 points de compétences pour enflammer les armes sans graisse animale. On en a rien à foutre de ce pouvoir. Si vous enflammez une arme, toutes celles que vous équiperez ensuite s'enflammeront automatiquement. On en a rien à foutre non plus, hein. Double bombe piquant, c'est pour la confection. Avec la fronde, les tirs à la tête transpercent les protections ennemies. Mais ça sert plus à rien à l'heure d'aujourd'hui parce qu'on les dégomme autrement maintenant. C'est vrai que c'est con, les points de compétence. Maintenant, ça sert plus à rien. Je suis dégoûté. En fait, on n'a pas suivi l'évolution comme le jeu le voulait en vrai. Donc, on peut même pas en profiter réellement. Mais bon, c'est pas grave. Ça, pour confectionner les flèches, c'est cool, c'est plus pratique. Bah, pour vous montrer un exemple, là, bah, je suis au max, donc je peux rien faire. Mais bon, bah, c'est cool. En vrai, c'est cool. On va pouvoir, les amis, s'en arrêter là pour cet épisode. Je propose de faire un épisode quand même plus court parce que, bah, franchement, on va pas se mentir, mais là, on est à la fin du jeu, gros. Si j'ai juste envie, je me TP là. Je fais les terres Udam et le jeu est fini. C'est tout. On fera cette zone et le jeu sera fini, c'est tout. Là, c'est la fin, c'est tout, cherchez pas. Alors, il y a plein de lieux inconnus à visiter, je suis pas sûr qu'on va pouvoir tous les faire. Oh, attends, on peut aller au village. Parler à Da. Ah!
Le jeu n'est pas terminé. Le jeu n'est pas terminé, messieurs, dames. Oh, attendez, attendez, attendez. Déjà, j'aimerais juste vous montrer donc au niveau de la progression. Zoom. Là, voilà. 83% de progression générale. Voilà. Bon, très bien. C'est par où qu'on sort? Pour aller voir Uda. Uda. Bah les couilles pour eux, je suis un Uda. Uda. C'est par ici. Charlie Chadou, ils font de la musique dans notre camp. C'est bon, c'est bon. Ah, mais c'est juste pour y faire la hutte, à mon avis, c'est tout. Cherchez pas, en fait, c'est pas non plus incroyable. Udam Sanchita. Guarda. Udam. Palhu Winja, Huguana. Ma, mash, damsham. Udam Guar Barta. Damas Krawadandaf. Winja Barda Sapwi. Naye. Udam Aywa Dani Bar. We do. Winja Udam Barash. Hai. Mask. Ah oui! D'accord! Un accueil Wenja. Mais putain, mais c'est pas possible. Donc il s'est barré. Et là, il faut que je le retrouve. Et que je le noie. Ah! Voilà qui est fort ennuyeux. Bah, il est juste là. Et je vais le noyer là. Vraiment, mais le pauvre. Je rigole. Hein. Aider Da à survivre à la colère du comité d'accueil Wenja. Ah, du coup, on va... Non, mais attendez, on va pas se... Mais non, mais les gars, on va pas se mettre à dos notre population qu'on a réunie nous-mêmes, quand même. Tout ça pour un gars qui mérite d'ailleurs de mourir. Non, mais c'est pas possible, les amis. Non, mais c'est fou. Là, les amis, c'est un retournement de situation. On est à 80% de l'histoire du jeu. Et en fait, on va se mettre tout le monde à dos. C'est super. Le prochain épisode, les amis, on va perdre tous nos copains. Donc, on va profiter un petit peu de l'ambiance festive. Voilà, on va profiter de ces derniers instants positifs. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette incroyable aventure qui va absolument partir en couille. J'en suis persuadé. Je vous fais plein de bisous. Et profitez bien, faites pas trop de cauchemars avec cette musique parce que c'est absolument horrible. Allez, ciao tout le monde.